Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de l'unboxing d'Épée Club. Je vous ai posté donc hier la partie 1. Je filme en plus moi-même le lendemain, comme ça ça fait vraiment comme vous, en deux parties, réellement. Parce que normalement quand c'est des vidéos en deux parties, je les filme l'une après l'autre. Sauf qu'hier je n'avais absolument pas le temps, puisqu'il fallait aller chercher Arthur à l'école. Donc je la filme aujourd'hui. Alors, le paquet est là. Normalement, il reste donc 6 produits. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, j'espère que la caméra est bien droite. Je viens juste de nettoyer la table, elle est encore un peu humide. Alors, et ben c'est parti. Je pense que ça va aller plus rapide que la partie d'hier, parce qu'il y a plus d'accessoires, j'ai l'impression. Donc on va voir. On va commencer tout de suite par la broderie, comme on a fait dans la partie 1. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la voir si vous l'avez loupée. C'est la vidéo juste avant celle-ci. C'est une broderie qui est pour vous. Et je vous l'ai dit dans la partie 1, vous allez vous demander pourquoi je l'ai choisie pour vous et pas pour moi. Même moi, je ne sais pas. Mais je me suis dit que, au vu du thème, ça allait vous plaire quasi à coup sûr. En tout cas pour ceux qui sont fans comme moi. Donc c'est sur une toile blanche également. Un petit carré, enfin un petit, un bon carré comme ça. Voilà, les deux je pensais que c'était des toiles pré-imprimées. Moi après je préfère les toiles vierges. Donc du coup j'espère que la personne qui gagnera ça sera pareil. Vous avez donc le toolkit avec des aiguilles, le petit parapluie, un protège-doigts, le tire-fil et la bobine. Voilà, il y a vraiment plusieurs aiguilles, donc ça c'est cool. Il y a tous les fils, donc il y a un peu de tout niveau couleur. Vous voyez, ça fait pas mal automne quand on regarde quand même, mais il y a quand même un peu de tout. Et il y a une blinde de fils. Et le modèle, alors, je vous le montre comme ça. Ah si, les fans peuvent reconnaître. On reconnaît le blason de Poudlard. Et c'est en fait, alors ouais, c'est vrai que c'est un petit peu flou. Tac, l'image elle est un peu floue, elle est peut-être un peu moins floue ici, mais c'est une composition en fait. Vous avez ici le vif d'or, le choipeau Edwige, et vous avez dans l'arrière, en fait dans le fond, le blason des quatre maisons. Voilà, bon, c'est un peu les couleurs sont passées de l'image, mais voilà, je l'ai trouvé trop jolie. Et voilà, si la personne qui gagne adore Harry Potter, ou même si elle n'aime pas, mais qu'elle sait que ça lui ferait plaisir de broder cette toile pour l'offrir à un ou une fan d'Harry Potter, bah écoutez, voilà, je me suis dit que c'est... Pour vous faire gagner, c'est quelque chose qui pourrait vous plaire sur ce thème-là. Voilà, je suis d'avance jalouse, puisque je la trouve magnifique. Forcément, si je l'ai choisie pour vous, je la trouve magnifique. Et j'espère que ça vous plaira. Et elle sera à gagner, non pas sur mon Instagram d'épée, mais sur mon Instagram angélique.croix prochainement. Voilà, j'ai deux petits concours à vous faire. Je ne vais pas les faire les uns derrière les autres, mais ça arrivera prochainement. Voilà, donc cette broderie Harry Potter, 4,37€. Elle est moins chère que celle que je vous ai présentée hier. Alors, je vais mettre ça sur le côté, je rangerai tout après parce que le papier fait un bruit monstre. On va continuer avec deux petites choses qui, je crois, sont pour la broderie également. Mais ce sont que des choses qui sont pour moi par la suite, si je ne dis pas de bêtises. Hop, ce petit rouge à lèvres. Donc là, vous dites quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, c'est très joli, hein. Je vais essayer de vous montrer de plus près. Voilà, il y a plusieurs peintures de peintres et c'est en fait un rangement à aiguilles. Voilà, je ne savais pas du tout que ça existait, mais c'est un petit rangement où vous pouvez mettre vos aiguilles et si j'ai bien compris, c'est aimanté. Du coup, elles se mettent vraiment dedans et elles ne bougent pas parce qu'elles sont aimantées. Ah non, c'est peut-être ça qui est aimanté. Ah ouais, c'est peut-être ça qui est aimanté. Attendez. Pas mal. Ah, c'est hyper satisfaisant. Et du coup, voilà, du coup, vous rangez vos aiguilles à l'intérieur. Et c'est pas mal de les avoir dans un petit endroit fermé comme ça. En plus, ça se transporte partout, parce que c'est vraiment le format d'un rouge à lèvres. Et voilà.
Et c'est trop joli. Un petit accessoire, je me suis dit que ça pouvait être pratique et sympa pour que je puisse ranger mes aiguilles. 2,62€. C'est pas ça du tout. 3,50€. 2,62€, je pense que c'est ce qui est là-dedans. Tac. Alors, j'ai trouvé ça trop beau. La qualité, elle est trop belle. Et du coup, la petite chose, normalement à 2,62€, c'est ça. Ah oui, il est grand. Mais il est trop beau. Ah, je pensais que c'était tout petit. Oh, mais c'est encore plus beau du coup. C'est un aimant que vous pouvez du coup mettre sur votre toile ou votre projet que vous êtes en train de faire en broderie. Et si jamais vous posez, vous faites une pause dans votre broderie, vous posez l'aiguille dessus et elle va s'aimanter puisque l'arrière est aimanté. Et en fait, c'est comme les aimants ADP. Vous avez donc un aimant, un autre qui est mobile et vous mettez donc... C'est comme les aimants ADP. Vous mettez par-dessus votre toile, vous mettez en dessous et ça tient du coup sur votre toile et vous pouvez poser votre aiguille dessus et elle reste aimantée comme ça. Vous ne la perdez pas et c'est bien pratique quand on fait des poses dans la broderie. Et l'image, ouais, je l'ai trouvée trop belle. Je crois qu'il y en avait plusieurs et j'ai choisi celle-ci. Petite nana manga un peu kawaii comme ça, avec des couleurs trop trop belles. Il y a pas mal de jaune donc forcément ça m'a plu. Et vous voyez, ah, je suis trop contente parce que je pensais que ça allait être rikiki. Et en fait non, pas du tout. Donc je suis très contente et c'est super joli, hein. Voilà, vous voyez, c'est une espèce de petite couche de plexiglas ou de résine. Oh, je suis fan. Voilà, bon après ça peut servir d'aimant à frigo aussi, hein, si jamais, mais c'est un aimant, ou ça peut servir aussi d'aimant ADP au final. Hein. Il est grand, mais si vous faites une grosse toile et que vous voulez ce joli aimant pour tenir le papier de votre toile, ça peut, il s'est vendu dans la catégorie broderie, mais ça peut carrément servir d'aimant ADP. Hein. Donc c'était... J'ai déjà oublié... 2,62€, oui, on l'a dit tout à l'heure. Hop, on va mettre les petits papiers par là. Ensuite, il nous reste trois choses. Ah, mais je vous ai pris deux autres choses pour vous. Attends. Ah ouais, hey, je vous ai pris quatre trucs au lieu de deux dans cet unboxing. Peut-être parce qu'il était double de taille. Bah écoutez, tant mieux pour vous, j'avais complètement zappé. Donc, je vous ai déjà présenté dans la vidéo d'hier la toile toucan qui était magnifique, qui était pour vous. Dans la vidéo d'aujourd'hui, la broderie Harry Potter. Et il reste encore deux choses. Ah, oh, mais c'est trop cool, en fait. J'ai pris plus de choses que d'habitude pour vous. Alors, petite toile. Hop, tout le kit habituel. Toile, oh, avec des belles couleurs. Du bleu, du jaune, du rose, du gris. Il y a du plusieurs teintes de rose. Du violet, du bordeaux, du noir un petit peu. Ok. Il y a pas mal de bleu. J'avoue que je sais plus. Oh oui, je l'ai trouvé trop belle. C'est un corbeau en 30 par 30 bords inclus, donc 25-25. Un petit corbeau qui enfin, lui-même est assez noir bleuté. Et tout le fond, c'est comme, vous savez, les poudres de couleur là. Qu'on voit souvent en Inde ou même en France quand il y a des courses et tout, des marathons, des trucs comme ça, des fois ils font genre la color run et tout avec les poutres de couleur, et ben ça fait vraiment ça le fond. Donc j'aime bien le contraste entre l'animal qui est un animal très sombre et le fond hyper coloré, et donc il est sur une petite branche d'arbre. J'avais trouvé l'aperçu du visuel très joli, je suis très contente, il est vraiment très très beau. Donc c'est une 30 par 30 bord inclus. Au niveau du collant, ça colle très bien. Au niveau des symboles, c'est net. Ouais, c'est net. C'est pas aussi net que d'autres boutiques, mais c'est net. Il n'y a pas de problème, hein, je vous montre. Même dans les symboles foncés, hein, vous voyez. Je tremblote un peu, mais... Hop, c'est plus clair dans le clair. C'est plus net dans le clair, mais c'est quand même net dans le foncé. On va pas chipoter non plus. Hop, elle est trop jolie, j'adore. Cette petite toile était à 4,71€. Voilà, avec des très très belles couleurs. Hop,
Moi, j'adore les corbeaux. Donc, du coup, corbeaux avec plein de couleurs, j'ai kiffé tout de suite. Hop. Et vous voyez, tiens, je vais vous montrer parce que j'ai mon marqueur vers moi. Comment je stocke mes toiles, parce qu'on me demande souvent, je les remets toujours dans l'emballage d'origine. Je referme, je prends un marqueur. Et là, par exemple, je vais marquer toile corbeau. 30 x 30 cm. Voilà. Et moi, comme c'est dans le cadre d'un partenariat, pour pouvoir vous redire la boutique une fois que j'aurai fait la toile, je marque DP Club. Comme ça, je me souviens, au moment où j'aurais envie de faire cette toile, je pourrais vous redire, en vous montrant le résultat final, voilà, je l'avais eu chez DP Club. Hop. Et puis, je les conserve, je les garde toutes comme ça, en attendant de les faire. Alors, il reste donc deux produits. Celui-ci, c'est pour vous, si je dis pas de bêtises. Bah, les deux derniers, c'est pour vous, du coup. Oui, c'est ça. Les deux derniers, si je dis pas de bêtises. Oh, j'ai peur de faire une bêtise. On va voir. Celui-là, c'est sûr que c'est pour vous. Parce qu'on n'en a jamais assez, parce que ça peut toujours servir une petite boîte de rangement avec les petits rangements piluliers. Donc, c'est pas les meilleurs rangements, on va pas se mentir, c'est pas les meilleurs rangements. Mais quand on débute, on est bien content d'avoir une petite boîte comme ça qui prend pas de place, où on peut mettre quand même pas mal de couleurs différentes, on va y arriver. Moi, le seul truc que je n'aime pas, c'est que ça se sépare pas. Donc, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Et hop, voilà, ça s'ouvre. Vous pouvez mettre 4 couleurs par rangée. Donc, ça en fait 6 x 4, bah, je ne sais pas. 6 x 4, 42. Ça doit pas être ça, mais non. 6 x 4, 42, n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 6 x 4, 27. C'est possible ça? Ou j'ai mal compté? Les maths pour les nuls. Hein, oui, je sais pas mes tables de multiplication. Ah mais attendez, j'ai mon téléphone. Ah mais il n'y en a pas 6, il y en a 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah c'est 7 x 4. 7 x 4. 7 x 4, 24. 7 x 4. J'ai honte! J'ai honte! 28. 28. 7 x 4, 28, bien évidemment, tout le monde le savait, 7 x 4, 28, c'est les bases. Hein, la table de multiplication, c'est les bases, Angélique. Comment tu vas faire dans 2 ans quand ton gosse aura dépassé ton niveau de maths? Bonjour. Heureusement que tu n'étais pas là, mon amour, il y a 2 minutes. Parce que je 7 x 4 et j'ai dû prendre mon téléphone pour savoir combien il y avait de petits... Voilà. Donc, t'es fière ou pas? Ouais. Donc cette petite boîte de rangement sera pour vous et elle est au prix... Ah mais je l'avais marqué. Oh la con. Oh la con. Oh là 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 là. Sûrement que j'avais anticipé ma connerie. J'avais marqué boîte de rangement 28 slots. J'avais marqué le nombre de petites boîtes. Ah oh, je suis vraiment nulle. Hein. Bon, du coup je me suis tapé la honte pour rien alors que j'aurais pu faire... Bah ouais, il y en a 28. 4,20€, voilà. Oh, j'en ai marre, je vous jure, je me fatigue. Je me fatigue. Dernière petite chose, mais pas des moindres. Je crois que c'est pour vous. Ouais, normalement, c'est pour vous. Alors, oui. Je me suis dit, avec le beau temps qui arrive, ça pouvait être sympa à vous faire gagner. Alors, je déballe tout ça. Donc, ça se présente dans une petite boîte en carton. Waouh. Tac, on a tout sorti. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est des petits bouts de... Ok, des petits bouts de papier, des trucs. Bref, ça c'est quoi? Ça aussi. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, il t'emballe le truc avec les... Bon, tu vois que c'est des trucs pas très chers. Hein. Mais c'est pas grave, du moment que c'est pas abîmé, on s'en fout. C'est les... comme tout est ajouré, c'est des trucs qui n'étaient pas partis des ajourations. Les ajourations, bonjour. Voilà, bon. Waouh. Attends, en vrai, c'est super joli. Il y a encore des petits bouts de... Des petits bouts de colle et tout. Je fais gaffe de ne pas le péter. Ah, mais si, c'est parce qu'il y a encore un truc là qui n'est pas parti. Bon, ça, il pourrait faire gaffe quand même avant d'emballer, quoi. Que tous les trucs soient partis. Les ajourations. Voilà, là, c'est bon, elles sont toutes parties. Donc, là, vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est ça?
Alors déjà, c'est très joli. Moi, ça ressemble à du mandala, donc c'est pas trop mon kiff. Là, je sais qu'il y en a plein qui vont me jeter des cailloux parce qu'il y en a plein qui adorent les mandalas. Moi, c'est pas trop mon truc. C'est un mélange entre un flocon et un mandala, je sais pas. Ouais. Le milieu est très joli, si ça s'arrêtait là, c'était bon. Là, pourtant, c'est plein de couleurs, c'est joli, mais ouais, je sais pas. Donc, c'est un petit objet, enfin petit, assez grand, à diamanter. Vous voyez, vous avez donc le centre et tous les tours. C'est un arc-en-ciel, en fait. Hein. Ça ressemble vraiment aux couleurs de l'arc-en-ciel et tout. Voilà, tout est à diamanter. Juste le recto, le verso n'est pas à diamanter. Donc, vous avez du papier à enlever, hein, je suppose. Ouais, vous avez le papier que vous pouvez donc soulever pour diamanter la chose. C'est tout souple du coup, vous voyez? C'est tout souple. C'est trop bizarre. On dirait une passoire. Ok, donc, vous avez ce grand truc-là, le toolkit avec des petits sachets zip, et tout l'intérêt du truc est que c'est un... Ok, là c'est moi, hein. C'est pas le truc... Labourin, bonjour. Hop, c'est un... Voilà, que je vous perde pas des anneaux. C'est un créateur d'arc-en-ciel. Et oui, les petits amis. Alors moi, j'en ai déjà un que j'ai dans la cuisine. Et du coup, en fin d'après-midi, ça commence mi-après-midi l'été. Sinon, en fin d'après-midi, il y a le soleil qui tape dessus. Et dans la cuisine, ça me fait des petits arc-en-ciel au mur et sur le sol. Et en fait, voilà, quand vous avez le soleil qui tape sur ce gros diamant, ça vous fait plein de petits morceaux d'arc-en-ciel. Alors là, je vais pas vous montrer parce que j'ai pas de... Il y a pas de soleil qui tape sur la table. Mais ça fait... Je sais pas si avec le flash d'un téléphone, ça marcherait. Je pense pas. Je pense pas. Ben alors. Ah. Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Ah. Alors, ça fait des reflets, mais pas arc-en-ciel. Mais bon, je pense que c'est normal parce que c'est pas le soleil. Voilà, merci pour ton intervention Angélique. Voilà, donc ça vous fait des petits arc-en-ciel sur le sol, sur les murs. Il faut juste du coup le placer à un endroit effectivement où vous savez que le soleil va taper au bout d'un moment. Soit vous pouvez le placer en extérieur comme moi, je l'ai placé vraiment devant la porte-fenêtre de ma cuisine, ou vous pouvez le placer à l'intérieur de chez vous, dans un endroit où le soleil tape à un moment de la journée. Voilà, donc là, vous avez les petites couleurs, les petites perles avec les couleurs. C'est trop joli. Le petit diamant qu'il faudra donc à la fin, merci de ne pas le casser. Il faudra à la fin venir l'accrocher. Donc, vous avez un petit trou ici. Tac, vous voyez, vous avez un petit trou là pour accrocher. Vous avez des anneaux et tout, vous avez juste à accrocher. Voilà, et là, vous avez un crochet, un petit crochet en métal, super bien fichu, avec un petit mousqueton pour venir de l'autre côté. Donc il faudra aussi mettre un autre anneau, ils en ont fourni 4. Vous mettez un autre anneau sur le haut et vous venez accrocher le petit truc mousqueton. Voilà, donc en gros ils ont mis 2 anneaux en rab, mais au moins, voilà, parce que vous en avez besoin que d'un là pour relier ça à ça, et un là pour relier ça à ça. Voilà, donc je ne vous perds pas les anneaux, je vous remets tout dedans. Et j'ai trouvé ça super joli. Là, pour le coup, c'est quelque chose que je n'aurais pas choisi pour moi, en tout cas pas ce modèle-là. Mais je me suis dit, avec le beau temps qui arrive, le soleil qui revient, ça peut vraiment être quelque chose... Bah, si je ne mets pas le diamant, ça ne va pas le faire. Ça peut vraiment être quelque chose de joli et de sympa à vous offrir en concours. Et puis, au moins, si c'est quelqu'un qui n'a jamais fait d'épée ou qui débute... qui gagne, bah ça fait un petit accessoire, c'est quelque chose qui est pas long à faire, enfin qui sera pas vraiment long, et qui sera très joli. Voilà, voilà. J'ai trouvé ça super, super sympa. Ah mais si, tu dois vernir l'autre côté. Vernir, tu dois faire l'autre côté. Oh, si, c'est recto verso. Je vous ai dit des bêtises, c'est recto verso. Vous savez comment je le sais? Parce que là, ça, c'est l'endroit. On voit les couleurs qui sont plus nettes et les chiffres sont à l'endroit. Bon, je sais pas, vous les voyez peut-être à l'envers avec la caméra qui inverse. Et en fait, si vous retournez, bon, c'est un peu plus pastel parce que c'est le derrière, mais les chiffres sont également à l'endroit. Donc, en fait, je pense que c'est recto verso. Je pense. De toute façon, vous faites déjà un côté. Si vous voyez que vous avez encore plein de diamants, vous faites l'autre côté, hein, au pire. Mais si, c'est recto verso parce que sinon...
ils se seraient pas embêtés à imprimer à l'endroit les numéros de l'autre, dans l'autre sens en fait. Donc si, bah, c'est simple, est-ce qu'il y a du papier? Oui, bah oui, je suis con. Il y a du papier à retirer aussi de l'autre côté, sinon il y aurait pas de, ils auraient pas mis de papier de protection sur le sur l'envers. Donc si, c'est recto verso, je retire ce que j'ai dit en début de déballage de ce produit. Et donc vous avez des diamants cristaux de toutes les couleurs. Là pour le coup, forcément il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et il y a même des petits diamants spéciaux. Alors je vais pas vous le déballer parce que sinon j'arriverai jamais à tout bien remettre comme ça. Mais je vois des gros calissons dorés, je vois des petites gouttes rouges. Là on aperçoit un petit peu. Faudrait que ça fasse le point, mais ça fera pas le point. Là. Voilà. Eh bien écoutez, je suis très contente. Ah ouais, les gros calissons, c'est pour le centre. Là. Voilà. C'est trop mignon, non? Je trouve ça trop trop beau. Hop. Je trouve ça trop beau, même si moi, voilà, j'aurais pas choisi ce modèle-là, mais pour vous, j'ai trouvé ça trop beau pour vous offrir. Hop. Donc, je vous remets tout bien. Et je vous le ferai gagner, pareil, et là, le printemps arrive bientôt, donc surveillez mon Instagram. Concours tous les 15 jours, comme d'habitude. D'ailleurs en ce moment il y en a un qui a commencé vendredi dernier, donc n'hésitez pas à aller le voir, il se finira, le tirage au sort aura lieu dimanche soir en story comme d'habitude. Je filme l'écran de mon ordinateur et je fais avec un site, je crois que c'est App Sorteo, c'est un site de tirage au sort. Je fais toujours donc le tirage au sort en filmant mon écran d'ordinateur pour vous montrer qu'il n'y a aucune triche, qu'il n'y a rien du tout. Et en général, j'identifie toujours la gagnante ou le gagnant. Et en général, la personne, quelques minutes, voire quelques heures après, me contacte déjà pour me donner son adresse. Voilà. Donc ce produit était à 12,10€. C'est le deuxième produit le plus cher de cette sélection. Le premier était la toile Peter Pan qui faisait 90 cm de haut, que je vous ai présentée dans la partie 1. Et le deuxième produit le plus cher était celui-ci, parce que c'est vrai que c'est un accessoire qui est assez gros en plus. Donc, voilà. Et il y a Haribo qui mange ses croquettes, comme à chaque fois que je filme une vidéo. Je suis sûre, il attend. Il attend que je commence à filmer, ou que je sois sur la fin pour venir manger ses croquettes. Bref, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Je vous redonne, j'ai oublié de le dire dans la partie 1. Je ne sais pas s'il est encore valable, je ne touche absolument rien avec ce code, c'est un code que DP Club m'avait donné au tout début de notre partenariat, un code de 15%, ce qui n'est pas négligeable. Le code c'est Angélique en majuscule sans accent, j'essaierai de vous le remettre là dans la vidéo, donc il est facilement mémorisable. Après, c'était l'année dernière, je ne sais pas s'ils ont pensé à le réactiver pour cette année. N'hésitez pas, si vous passez commande, à l'essayer, et surtout s'il ne marche pas, à venir me le dire que je puisse... demander à DP Club si c'est possible qu'il le réactive ou qu'il m'en donne un autre ou quoi que ce soit. Voilà, je ne touche absolument rien sur les ventes ou quoi que ce soit de ce code, il m'a juste été donné pour vous. Et puis, c'est tout. Voilà, je vous fais des bisous, je vous remercie d'avoir regardé cette partie 2. Je vous donne rendez-vous dimanche pour un unboxing Diamantaire Club d'une toile énorme, énorme, sur le thème de Noël. Enfin, de l'hiver, plus de l'hiver, plus de l'hiver. Comme on n'est pas officiellement, on n'est pas encore au printemps, donc je peux me permettre de vous montrer encore des toiles hivernales. Et puis ça arrivera même des fois peut-être en plein été, hein, si Diamantaire Club sort des toiles de Noël en plein été, c'est possible qu'il y en ait quelques-unes qui passent. Mais en tout cas là, voilà, c'est une toile énorme, beaucoup avaient craqué dessus et la taille les avait freinés. Moi-même, la taille m'a beaucoup fait hésiter, surtout qu'elle est en diamant carré. Si mes souvenirs sont bons, mais oui, parce que sinon j'aurais moins hésité, parce que le carré c'est vrai que c'est plus long à faire. Donc je vous donne rendez-vous dimanche à 17h pour voir ça, et puis voilà, je vous fais des bisous, je vous souhaite de passer une belle soirée, une belle journée, une belle après-midi et tout ce que vous voulez, et je vous dis à dimanche, bye bye.